Allez, de retour sur guilarthrose.com, toujours avec Denis, bien évidemment. On s'intéresse au genou, à l'arthrose du genou et plus particulièrement à des exercices d'automobilisation. Oui. On voit quoi dans cette vidéo exactement, Denis ? Alors, on voit comment on peut simplement faire fonctionner l'articulation, donc la mobiliser dans les amplitudes fonctionnelles, j'allais dire. D'accord. Donc, on va avoir cinq exercices, pour vous montrer très simplement comment on peut fléchir et tendre le genou, enfin, avoir quelques mobilisations. Je suis porteur d'une prothèse de genou, je peux les faire ? Absolument. De toute façon, c'est évidemment sous couvert de votre suivi paramédical ou médical, là où vous en êtes dans votre éducation. Mais si vous avez fini cette rééducation, c'est tout à fait possible, absolument. Ok. C'est même conseillé. C'est même conseillé. On aura besoin d'un ballon de Klein, ballon suisse. Un ballon suisse. Et d'un medicine ball. Ou un ballon, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, ou d'un ballon tout classique. C'est plutôt la taille qui est importante, là, dans ce cas. Ok. Parfait. Donc voilà, on va attaquer ici. Sur une table ou par terre, hein, c'est pareil. Ayez quand même un plan de travail qui glisse parce que là, simplement, on va faire une flexion-extension du genou, vous voyez, en décharge. C'est-à-dire que le pied reste en appui le plus possible. D'ailleurs, on voit là ses limites. Mais c'est vraiment un travail donc, de flexion ici du genou. Vous voyez, maximale. Alors là, moi, évidemment, j'ai pas de problème de flexion, de diminution d'amplitude articulaire et d'extension. À nouveau, hein, on le disait dans un exercice d'auto-étirement, n'hésitez pas quand vous faites ce genre de travail à associer les différentes techniques. C'est-à-dire que là, on est dans une automobilisation, mais si vous avez par exemple un petit fessome. Eh ben, n'hésitez pas à venir travailler un petit peu. Ça fera du renforcement musculaire du quadriceps et en même temps, à une posture, vous allez forcer un petit peu plus sur votre extension et puis hop, vous repartez sur une flexion. D'accord. Flexion, extension, très simplement. Ensuite, on va maintenir le genou ici à 90 degrés et on va venir travailler. Vous voyez, on doit pouvoir le voir ici. La crête tibiale va, enfin la tubérosité tibiale antérieure qui bouge ici à droite et à gauche. C'est une petite composante de rotation du genou qu'on a en rotation interne, enfin du genou, surtout du tibia sous le fémur, tibia fémur. Et donc, on va avoir une rotation externe ici, une rotation interne ici. D'accord. On la réalise en fait avec certains muscles ici derrière les ischio-jambiers. Voilà, très intéressant aussi de chercher cette amplitude qui n'est pas forcément évidemment fonctionnelle, je veux dire simplement, mais qui sert absolument à la fonctionnalité du genou. D'accord. Voilà, donc flexion, extension et les rotations. Voilà ce qu'on peut faire en position allongée. Ensuite, on va passer sur le ballon de Klein, ici. Voilà, très simplement, hein, et on est bien hein, sur ce ballon toujours. Oui, ça on le répète à chaque fois. Ouais. Fournissez-vous un ballon comme ça. Donc là, très simplement, vous voyez, le fait de faire rouler voilà, le ballon et de contrôler finalement le fait qu'on. Finalement, le roulement du ballon fait qu'on part ici, quand on repousse vers une extension. Alors on peut essayer de partir peut-être d'un peu plus loin. De manière à avoir une extension, alors en fonction toujours de vos capacités, une extension complète du genou ici. Oui. Et puis on va revenir tranquillement vers une flexion. Alors, et c'est le ballon qui roule et c'est pour ça que c'est plus simple. Oui, c'est ça, on est en décharge encore une fois ici, hein, pratiquement. Évidemment, il y a un peu de charge parce qu'on vient appuyer, il y a un minimum de poids sur les pieds, mais il y en a beaucoup aussi sur l'arrière. Alors, vous voyez un petit peu, c'est difficile d'avoir dans la même position sur le ballon, à la fois une flexion maximale et une extension maximale. On va être là plus l'avant du ballon, on aura une extension maxi. Si vous voulez une flexion maximale, revenez un petit peu plus haut sur le ballon. Et puis, vous allez voir que vous allez pouvoir tranquillement venir sur une flexion maximale. D'accord ? Très simplement encore. Voilà. Et là, on va avoir une extension qui va être ce qu'elle sera, puisqu'on est un peu plus gêné. D'accord ? Voilà. Pour le ballon suisse, ensuite avec un ballon plus petit, même si medicine ball n'est bon, l'idée c'est de le faire rouler. Alors là on va être plus dans un mouvement décomposé. L'idéal ça serait de le faire avec un skateboard. Maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit moins chez les gens. Donc on va se servir du ballon plus comme d'un appui, mais qu'on va faire, vous voyez, on va aller vers l'extension du genou et puis on va ramener tranquillement. Et là, on peut avoir une flexion déjà assez importante. Mmh. Là, on voit bien que le genou, finalement, est déjà dans une bonne flexion. Je pense que, de toute façon, dans un problème arthrosique, on aura peut-être suffisamment avec cette amplitude-là.
Si jamais ça a besoin d'aller un peu plus loin, on peut toujours revenir un peu sur le ballon et continuer le mouvement ici. Ok ? Voilà. C'est un peu comme tout à l'heure avec, j'allais dire avec le ballon de Klein. On va adapter selon l'amplitude, l'extrême amplitude qu'on veut travailler en flexion, on va être plutôt là. Et puis si on veut aller plutôt là-bas, bah, on va reprendre le ballon autrement et puis aller la chercher autrement. Ok ? Et donc ça, flexion, extension du genou. Et puis à nouveau, on va retrouver la possibilité de faire bouger ce ballon et on va faire de la rotation interne ici de genou, enfin de le tibia sous le fémur ou de la rotation externe. Ouais, on fait tourner ce ballon. Voilà. Ok ? Parfait. Voilà. Donc pour ce qui est de l'automobilisation en cas d'arthrose du genou, mais aussi si vous voulez mobiliser votre genou pour faire du préventif, n'hésitez pas. Absolument. C'est aussi l'objectif de Guide Arthrose, faire du préventif. Ouais. Éviter d'arriver jusqu'à la douleur avec tous les conseils qu'on vous prodigue. J'espère que tout cela vous a plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo avec Denis sur guidearthrose.com. Au revoir.